Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel je vais vous parler un petit peu à chaud d'un petit coup de gueule que, que j'ai poussé sur, vous avez suivi l'actualité, au sujet de Miro, qui est cette start-up, cette licorne qui a levé 230 millions d'euros et qui veut disrupter le monde de la photo. Et les déclarations de son, de son CEO a laissé place à beaucoup d'émois sur les réseaux sociaux. A, a lancé un débat qui est, euh, qui est un petit peu agressif par moment et euh, les photographes pro en général veulent la peau de, de Miro et de ces différentes plateformes qui, selon eux, ubérisent la, le monde de la photo et qui pourraient casser euh, le, ce système-là, enfin, casser tout simplement l'univers de la photo. Et au final, dans cet épisode, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je ne veux pas du tout défendre Miro. Euh, L'idée c'est pas de prendre parti pour un côté ou l'autre, mais je suis là pour relativiser et pour pousser un petit peu à la réflexion. C'est un peu le but de ce podcast, c'est de vous apporter des, des informations et vous pousser à être pragmatique, à être curieux, comme un, un vrai journaliste quelque part, et être intelligent, tout simplement, et ne pas tomber dans la démagogie et dans le... Le, dans les mauvais côtés du débat, à savoir euh, euh, ceux des gens qui sont un peu frustrés parce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent, et qui trouvent un bouc émissaire qui aujourd'hui, ça tombe bien, <laughs> vient de lever 230 millions d'euros, donc il a beaucoup de visibilité euh, médiatique, et donc c'est le parfait bouc émissaire pour euh, un univers qui est enfin pour des personnes qui sont qui galèrent un petit peu dans cet univers, qui est certes en crise euh, sur certains points. Euh, là on va pas revenir sur la situation de la photo comparée à la situation. Euh, qui était celle des années des années 80-90. C'est évident qu'on a perdu des avantages, on a perdu pas mal de choses, mais c'est un univers qui est plein d'opportunités. Je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous l'avez compris. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a plein de trucs à plein de solutions à trouver. Et aujourd'hui, on va s'intéresser donc à cette actu et à cette, cette critique qui est faite à l'encontre de cette startup qui a levé autant d'argent et qui emploie aujourd'hui plus de 600 personnes euh, qui a développé une technologie, on va en reparler euh, concernant l'image, qui est euh, bien ou mal, euh, c'est pas la question en fait. Euh, encore une fois, je ne vais pas prendre parti euh, pour, euh, pour Miro ou pas. Mais l'idée, c'est que il euh, y a un truc qui, qui me fait un peu réagir et qui m'embête, c'est de lire des trucs du genre euh, Miro va détruire la photo et euh, tirer le métier vers le bas. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça dans ce podcast, mais bon, tant pis. Vous savez, l'idée c'est pas d'être lisse et d'être d'accord avec tout le monde. L'idée c'est de dire ce qu'on pense et de, 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 prendre, de prendre position pour quelque chose aussi. Et je trouve qu'en fait, tout simplement, c'est stupide de dire que ça va détruire la photo et que, en plus, ça met à mal tous les photographes pour plein, plein de raisons que je vais développer dans cet épisode. Déjà, Miro, si on devait faire une comparaison, euh, c'est un peu comme McDonald's, c'est un peu comme un fast-food euh, dans l'univers de la photo. Et quand McDonald's est arrivé en France, je ne sais plus quand, dans les années 60, il me semble, 70, euh, et les fast food aujourd'hui en France, c'est pas ça qui a détruit la gastronomie, ce n'est pas ça qui a détruit euh, les grands restaurants ou les restaurants tout court, d'accord Ce n'est pas parce qu'on apporte une nouvelle offre, un nouveau marché, c'est pas parce qu'on crée un nouveau marché que ça va détruire les autres c'est complètement stupide en fait, euh, penser ça c'est euh, stupide parce que, il suffit juste de regarder ce qui est arrivé, euh, on dit que ça ubérise la société enfin que ça ubérise le monde de la photo c'est vrai, d'ailleurs le mot ubérisé vient de Uber, donc en fait c'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'une simple startup a créé son propre vocabulaire, a créé un nouveau monde <laughs> qui est ubérisé euh, qui est ultra mal connoté parce que justement euh, les gens voient le côté super négatif de cette application. Sauf qu'il y a énormément de, de, de consommateurs de cette, de cette euh, application, comme toutes les choses qui sont très critiquées, elles sont très utilisées, à commencer par Amazon, toutes ces sociétés qui, euh, bien sûr, font du mal euh, au système qui est déjà établi et parfois même mal à la planète, à l'écologie, etc. Mais c'est pas pour rien que les gens, c'est pas pour autant que les gens vont arrêter de consommer tout ça et d'utiliser ces services. Donc déjà, la première chose, c'est que euh, Miro va pas détruire l'univers de la photo, tout simplement parce que ou sous prétexte qu'ils apportent une autre, euh, notre façon de consommer la photo pour les entreprises. Ça n'a rien à voir. Ensuite. Il y a quelque chose qui... qui J'en parlais dans, dans l'introduction de, de l'épisode, quand le CEO part de disrupter le monde de la photo. Disrupter, c'est un mot qui est ultra mal connoté également euh, dans l'univers du grand public. Enfin, pour, le, pour le grand public, on va dire. Euh, dans l'univers startup, disrupter, c'est une très bonne chose. C'est euh, valoriser. C'est-à-dire qu'on remet les choses à plat, on va trouver un nouveau modèle économique, on va améliorer ce qui ne fonctionnait pas et on va faire plus de bénéfices, plus de profits, plus de chiffre d'affaires. et on va en parler aussi sur la question de l'argent. il faut bien comprendre que c'est pour beaucoup de gens et beaucoup de photographes, beaucoup de photographes, surtout des photographes euh, auteurs et des photojournalistes, un peu moins pour les photographes qui sont artisans, qui ont une activité plus liée au commerce, euh, l'argent c'est mal ou Du moins, c'est pas c'est pas bien de faire trop d'argent, c'est pas bien de vouloir faire trop d'argent et euh, tout ce qui est rattaché au monde de la start-up, etc. Et donc le vocabulaire à commencer par le mot disrupter », Forcément, ça fait ça fait un petit peu mal aux gens. Il euh, y a une grande méfiance en général sur tout ce qui touche au business. Hein, je ferai un épisode euh, juste après celui-là sur euh, la façon. Enfin, en vrai, on parlera de business et de. Enfin, Or, le business, c'est un mot anglais, hein, et businessman, ça veut juste dire chef d'entreprise. Euh... <laughs> Mais c'est ultra mal connoté, et on en parlera un peu plus dans le prochain épisode. Un truc qui est important de noter, c'est que Miro vient de lever donc, 230 millions d'euros, ce n'était pas la première levée de fonds, euh, ils avaient déjà levé quelques dizaines de millions d'euros, et juste dire ça, c'est hallucinant. Euh, et le fait de lever autant d'argent dans, une, dans, une, dans un univers qui est en crise, de, 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 pour, pour le grand public, c'est un univers qui est en crise, où il n'y a pas d'argent, soi-disant, bah là, le mec il lève plus de 200 millions d'euros. Donc déjà, il, il faudrait peut-être se, se, se réfléchir un peu et se dire, attends, mais euh, c'est un petit peu bizarre que tout le monde me dit que c'est en crise, tout le monde me dit qu'il n'y a, qu a pas d'argent dans ce milieu-là, et là, le mec il lève 230 millions d'euros. Donc euh, c'est faux. Euh, déjà de penser qu'il n'y a pas d'argent dans la photo, que les entreprises ne veulent pas faire bosser les photographes, n'ont pas de besoins photos, qui font eux-mêmes les photos. C'est complètement faux parce que une entreprise qui arrive et qui trouve le bon business model, elle arrive à convaincre les entreprises. Maintenant, ça ne va pas forcément rendre riches tous les photographes, et ça on va en reparler. Mais c'est déjà un premier point qu'il faut souligner. Euh, donc il y a un intérêt pour la photo, il y a un intérêt, il y a un marché, il y a des opportunités. Et euh, personne, personne ne, ne te force, toi qui écoutes ce podcast, à travailler pour eux, à travailler pour Miro. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais c'est de l'exploitation ce système, etc. » Le mot « exploitation », il est vachement fort. Euh, on exploite quelqu'un quand il n'a pas son libre-arbitre, quand il n'a pas la, la possibilité de faire autre chose. Là, on a complètement la possibilité de ne pas travailler pour Miro, euh, ça peut, ça, ça, moi, ça ne m'aiderait pas à l'idée de m'inscrire sur le site pour être prestataire parce que j'ai déjà des clients et que je ne travaillerai pas pour ce tarif. On va en parler. Euh, mais personne n'a un flingue sur la tempe qui dit il y a quelqu'un qui dit bosse pour eux ou je vais t'exploiter. C'est complètement faux. Donc, déjà, ça, c'est un truc qu'il faut aussi se mettre dans la tête. Euh, et parlons justement des tarifs. Le problème des tarifs dans la photographie, il y, y a un problème qui est latent. On en a déjà parlé dans plusieurs épisodes. En photo, c'est très compliqué de trouver le juste tarif quand vous avez une proposition d'une entreprise ou d'une rédaction qui veut vous acheter vos photos euh, bien souvent ce n'est pas des acteurs de la photo qui en sont enfin, pas des entreprises qui ont des grilles tarifaires déjà établies. Elles vous demandent un devis et faire un devis pour une photo pour l'exploitation d'une image c'est extrêmement compliqué quand on n'y connaît rien, quand on se lance et quand on ne s'est pas assez renseigné en amont. Alors, il y a des barèmes qui existent, mais qui ne sont pas du tout fixés par les entreprises, qui sont fixés par des euh, structures comme l'UPP, comme la SAFE, dont on a déjà parlé dans ce, dans ce podcast. Et en plus, c'est des, des barèmes qui ne sont pas forcément en adéquation avec la réalité du métier. D'accord Donc souvent, on, on divise un petit peu, on divise par deux ou on, on, on diminue le, le barème qu'on nous, qu nous propose, pour avoir le juste prix. Mais encore une fois, il n'y a pas de gris tarifaire. Donc euh, vous pouvez vendre une photo 10 euros et vendre la même photo à un autre client pour 1000 euros, voire pour 10 000 euros. C'est complètement possible. Donc euh, c'est à vous en fait de fixer ça. Et le fait que Miro, comme toutes ces grandes ces plateformes, en fait, arrive et propose des tarifs vraiment délimités, par exemple 50 euros le shooting de 2 heures ou euh, 60 euros, je dis des chiffres au hasard, mais de toute façon c'est dans cet endroit-là, 60 euros la livraison des 20 photos. Ben, forcément les gens se disent mais attends mais c'est super bas comme tarif donc c'est de l'exploitation c'est horrible je veux pas travailler pour ce, pour ce prix là ben, dans ce cas là ne travaille pas pour ce prix là mais il y a un truc aussi qu'il faut comprendre c'est que euh, il faut relativiser avec le fait de travailler par exemple pour euh, quand tu travailles pour une agence de presse ou que tu fais un reportage toi à titre personnel et que tu essaies de le vendre derrière le coût horaire de ton travail il est ridicule Fais le calcul si tu pars une journée entière à faire des photos de manif, Tu vas commencer à, à midi et tu vas finir à 21h. Tu vas rentrer chez toi, tu auras travaillé plus de 10h et tu vas devoir ensuite, euh, tu auras travaillé quasiment 10h et après tu vas devoir retoucher tes images, les envoyer pour au final peut-être vendre euh, 2-3 photos à quelques centimes d'euros sur une agence. Donc euh, le coût il est, horaire il est ridicule. À côté de ça, ça vaut le coup de bosser pour Miro. Voilà, donc c'est une, un, une façon de relativiser aussi. Et ça, c'est quelque chose que les gens s'impliquent, enfin s'infligent eux-mêmes. Tous les week-ends, tous les samedis, il y a une manif en ce moment. Bah, tous les samedis, il y a des photographes, des dizaines de photographes qui vont travailler gratos. Qui travaillent gratos et qui fournissent leurs images à des agences comme CIPA, ABACA, etc. AFP, ils fournissent leurs images dans l'espoir que ces structures les vendent. Et ces structures, en fait, elles arrivent à, à, à vivre de leurs photos, de ces photos-là, de ces photographes, en proposant justement un stock d'images. Elles s'en foutent de les vendre quelque part, puisqu'en fait, le simple fait de proposer... Un, beau, un gros stock d'images, ça va leur permettre de vendre des abonnements. Donc elles vont rentrer de l'argent indirectement par rapport à ces photos. Ça, c'est de l'exploitation, en fait. Parce qu'on contribue au système, et ça, c'est de vraie exploitation. Donc euh, c'est très simple de crier euh, contre Miro, mais il faut aussi se regarder ce qui se passe déjà depuis des années, depuis des dizaines d'années, en fait, euh, et que personne ne montre. Donc revenons un petit peu sur euh, la question de, des clients de Miro, les clients de ces plateformes. Donc euh, bien souvent c'est des grandes chaînes comme euh, des grandes entreprises comme Booking, comme Airbnb, comme Uber Eats. Euh, et du coup c'est pas des entreprises. Jusqu'à maintenant ces entreprises en fait elles faisaient eux-mêmes leurs photos ou alors elles passaient par des photographes, mais les tarifs n'étaient pas non plus beaucoup plus élevés au final parce que même un photographe qui arrive à travailler avec un grand groupe hôtelier ou avec une grande chaîne euh, il va faire du volume c'est à dire qu'au final s'il veut conserver son contrat il va de lui-même sacrifier ses tarifs donc il va faire du volume au coureur il va être moins bien payé mais il va être payé plus d'heures dans l'année. donc du coup il va faire du chiffre. Donc euh, ces gens- là soit ils passent par cette solution là soit ils passent par cette nouvelle solution mais ils passeront pas par euh, vous qui débarquez avec des tarifs parfois, euh, euh, délirant par rapport à ce qu'ils avaient vécu ce qu'ils avaient vu avant et forcément ça ne marchera pas et une autre chose aussi qu'il faut comprendre c'est que si votre client veut du bas de gamme et veut pas payer très cher la question qu'il faut se poser c'est est ce que vous avez envie de travailler avec lui est ce que j'ai envie de travailler avec un mec qui dévalorise mon travail et qui considère que une photo ça vaut 2 euros est ce que j'ai envie de travailler avec lui oui ou non à mon avis, la réponse, elle est déjà non. Donc, il euh, n'y a même pas besoin d'aller euh, mettre un, un poids sur Facebook pour dire que c'est de l'exploitation et que c'est horrible. D'accord Donc, c'est juste, bah, c est, c est juste euh, basique, mais je préférais euh, revenir dessus. Un autre truc, c'est Miro et ce, ce débat qui est levé à, à cause de, de cette actualité euh, rappelle la question de la concurrence. Donc euh, on dit que, ben, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, en lisant un petit peu les commentaires à droite à gauche et puis en parlant avec des gens euh, par messagerie, il euh, y a des gens qui me disent que, ou je lis que euh, ça va favoriser la concurrence dans le mauvais sens, parce que ça va tirer les tarifs vers le bas. Du coup, s'il y a trop de photographes qui se plient à ces tarifs, bah euh, ben forcément c'est des concurrents, etc. etc. Donc déjà je reviens sur la question de, de client. Est-ce qu'on a envie de travailler avec un client qui veut juste les prix les plus bas Pas forcément. Et en plus, j'ai déjà dit dans plusieurs épisodes du podcast, mais la concurrence en photo, dans le business de la photo, techniquement, ça n'existe pas. En fait, il n'y a pas de notion de concurrence puisque vous proposez une offre, vous proposez un service de photo, vous proposez. Attention, je vais dire un mot qui va faire peur à plein de plein d'artistes et plein d'auteurs. Euh, vous proposez des produits, d'accord, vos photos, euh, c'est des produits. Au final, c'est une œuvre, bien entendu. Vous vendez des droits d'auteur, etc. Mais ça reste, dans, en termes de comptabilité, de fiscalité, ça reste des produits. Vous vendez un produit à quelqu'un qui va acheter ce produit ou ce service. Et bien, si vous proposez quelque chose qui ne correspond pas à la demande de votre client, forcément, ça ne marchera pas, concurrence ou pas. Et à contrario, si le client il a besoin de tel produit, tel service, tel type de photo, tel type de photographe, il va faire appel à lui. Et presque peu importe son tarif au final, parce que la question du tarif, c'est juste la question du budget. Donc ça se négocie. Vous pouvez très bien être intelligent et négocier un tarif qui est plutôt avantageux pour le client dans le but d'avoir une relation de long terme avec lui. Donc encore une fois, cette question de concurrence elle a même pas lieu d'exister, surtout quand les... on parle d'art au final, parce qu'on parle de photographie, on parle de, de manière de faire des photos, de... voilà, donc... et ça, il faut aussi le décorréler de ce que fait Miro, de ce que font ces plateformes-là, qui ne sont pas des œuvres d'art au final. Ils ne sont pas là pour engager des photographes, pour créer des expos, des livres, etc. Ils sont là pour répondre à un travail de commande très clair, très euh, bordé. Très normé, avec un cahier des charges très précis, bah, la photo de tel piole d'hôtel avec euh, tel type de flash euh, et voilà, tel type de cadrage. Vous vendez pas, enfin, c'est stupide de, de voir ça comme une œuvre d'art et de dire attention, je veux toucher mes droits sur euh, cette photo euh, de piole d'hôtel. Enfin, c'est enfin, de l'alimentaire en fait. Donc euh, c'est bien beau de, de crier sur le système, de critiquer le système, il faut bien comprendre ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir plus d'infos sur la question des droits d'auteur liés aux plateformes, je vous renvoie vers l'article de Joël Verbrug euh, que vous avez déjà entendu, vous allez bientôt entendre sur le podcast, vous avez déjà entendu sur ma chaîne YouTube. Euh, on a fait une formation ensemble sur le statut des photographes aussi, bah, sur son blog, euh, dont je mettrai le lien euh, en description de cet épisode, vous verrez, elle a écrit un long article sur la question des droits d'auteur par rapport aux plateformes et ce qu'ils ont droit de faire et ce qu'ils n'ont pas droit de faire. D'ailleurs, elle parle aussi de la question de l'intelligence artificielle. Vous savez, cette IA qui, est, qui a été conçue par Miro pour pouvoir retoucher les photos à la vitesse de la lumière. En quelques secondes, elle retouche toutes les photos. Et ça pose des problèmes, bien entendu, en, en matière de droit d'auteur euh, et de paternité de, de, de l'œuvre. En gros, si c'est une intelligence artificielle qui retouche mon image, ça veut dire qu'elle a aussi droit à avoir des droits d'auteur sur l'image. Mais encore une fois. Si l'image, c'est une image d'une de, de, piscine dans un, dans un resort ou d'un ou burger dans un, dans un restaurant, euh, en fait, vous vous en foutez. On s'en fout de garder les droits sur ces images. Le but de jeu, c'est d'être payé pour faire une image, livrer la, la, la photo, que tout le monde soit content et que tout le monde soit payé. En fait, c'est juste évident. Donc, euh, voilà. Euh, <laughs> le temps est différent avec les, et les autres podcasts, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il faut être... Euh, être euh pragmatique en fait et, euh, et pas être ému par le discours euh, dominant de ce que vous pouvez lire à droite à gauche euh, parce que voilà c'est pas enfin c'est dommage en fait ça fait rien avancer dans l'histoire là il y a des opportunités de qu'on voit grâce à ces startups qui se montent et qui trouvent des idées alors après on n'est pas forcément d'accord avec tout et c'est normal mais euh, mais voilà c'est pas euh, euh, le but du jeu c'est pas de détruire une profession au contraire ça peut être de valoriser l'image pour certains types de clients qui de toute façon n'auraient pas fait appel à quelqu'un qui prendrait 2000 euros la journée pour faire des photos de plats dans un restaurant qui n'est pas un restaurant, enfin qui est un restaurant bas de gamme par exemple. Euh, D'ailleurs, j'ai parlé avec, avant de faire ce podcast, j'ai tenu à m'entretenir avec des photographes qui ont déjà travaillé avec Miro ou avec des plateformes de ce type, pour leur demander, voilà, combien tu gagnes concrètement avec eux, combien... Combien ça te représente en termes de, de, de temps travaillé Est-ce que c'est rentable Est-ce que ça te plaît Qu'est-ce que tu en penses, etc. Et contre toute attente, je suis tombé sur des gens, alors les gens qui travaillent pour eux. Alors bien sûr, j'ai vu, j'ai rencontré des gens qui ne travaillent plus et qui disent ouais, mais c'est ubérisé, c'est de l'exploitation, etc. Et quand je leur demande combien de temps ils ont travaillé pour eux, ils disent qu'ils ont fait une ou deux missions, voire même certains qui ont juste en fait euh, pris contact avec eux, qui ont vu les tarifs et qui sont partis en claquant la porte en mode ouais, vous êtes des escrocs. Donc c'est pas des gens qui ont une expérience concrète du truc, donc les gens qui continuent de travailler pour eux, c'est des gens qui ben, disent pas grand-chose sur les réseaux sociaux pour, euh, parce qu'ils voient que c'est très, très, très mal connoté, que les gens vont peut-être <laughs> vous lyncher si vous dites un truc, euh, mais au final, il y a des gens à qui j'ai discuté euh, qui me disent qu'ils gagnent plusieurs milliers d'euros par mois grâce à ça. Et euh, j'étais assez étonné, mais au final, les gens que je connais très bien qui m'ont dit ça, ben, il voilà, y en a un qui gagne euh, dans les 4000 euros par mois grâce à ça. Et, euh, et en fait, sans forcément y passer non plus euh, des journées de 15 heures de boulot. quoi. Il y, a, il y a des grosses journées, il y a beaucoup de shoots par jour ou par semaine ou par mois, mais ça représente un revenu qui est intéressant pour quelqu'un qui, euh, qui se lance dans la photo ou qui, euh, qui n'a pas forcément la possibilité de faire autre chose dans la photo que ça dans un premier temps. Donc, euh, bien sûr... On peut parler quand on parle de Uber, d'Amazon, etc. de la maltraitance et pareil le mot maltraitance, enfin je trouve ça hallucinant de parler d'utiliser ces mots comme exploitation dans ce cadre-là. Mais des employés, donc des gens qui travaillent pour ces structures, mais il faut voir aussi les bons côtés et de se poser des, des, des bonnes questions. Euh, donc encore une fois, je défends pas ces structures-là. Je n'ai rien à gagner à défendre ces structures. Euh, J'ai juste envie de vous dire qu'il faut avoir un bon sens et une réflexion sur, sur le truc. C'est bien qu'il y ait un débat, c'est bien qu'on en discute, ça donne aussi des infos aux gens qui ne sont pas euh, renseignés sur ce métier, et qui leur permet de se poser des questions, mais demander à boycotter euh, ces services ou euh, de, les, de demander à l'État qui légifère, etc., je trouve ça en fait un peu stupide, parce que euh, surtout que... Quand on demande aux photographes, moi je le fais en fait sur réseaux sociaux, c'est pour ça que je me fais pas forcément tout le temps des amis. Euh, je leur demande mais pourquoi tu dis ça en fait Pourquoi tu dis que ça va détruire la profession Pourquoi il faut encadrer le truc Explique-moi pourquoi. Qu Qu'est-ce qu que ça représente pour toi concrètement Et au bout de deux trois phrases, on se rend compte que la personne n'a pas vraiment d'arguments autre que bah oui mais il faut être solidaire par rapport à la profession etc. Et mais en fait, moi j'ai jamais vu une profession, la profession de photographe, j'ai jamais vu une profession aussi peu solidaire. Aussi peu, euh, euh, où il y a aussi peu d'entraide de, 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 au final. On est très peu aujourd'hui de photographes sur Internet, euh, sur YouTube, sur Instagram, sur, euh, sur des blogs, sur des podcasts comme ici sur SoundCloud ou sur iTunes à délivrer des conseils, à partager des trucs. On est très peu au final. Et pourquoi on est très peu Parce que quand on se lance dans la formation en ligne pour donner des conseils, pour vendre des formations ou pour aider les gens, faire du coaching, etc., on est tout de suite critiqué par plein de photographes qui ne comprennent pas cette démarche-là, qui nous voit comme des gens qui veulent juste escroquer d'autres gens, euh, profiter d'un truc. Et, et c'est super dommage en fait, parce qu'il n'y a, a pas d'entraide au final, à part certaines institutions comme l'UPP, la CEF, etc. Mais au final, il y a peu de gens dans ces structures-là, et il y a peu d'actualité, parce qu'il n'y a pas assez de bénévoles, il n'y a pas assez de, de gens qui ont envie de faire avancer le truc. Et voilà, donc c'est bien joli de dire que ouais, mais il faut protéger la profession, mais en fait, il n'y a même pas d'entraide au sein même de la profession. Donc c'est vraiment dommage. Donc voilà, je vais terminer ce, ce podcast-là, cet épisode, un petit peu coup de gueule. Euh, juste pour dire ce que je pense sur, ce, sur ça. Vous êtes droit de ne pas, pas être du tout d'accord avec moi. Si vous l'êtes, en tout cas, dites-le moi dans les commentaires. Même si vous l'êtes pas, dites-le moi aussi. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Euh, mais juste, soyez ouverts, soyez curieux. Euh, avant de faire ce podcast, j'ai attendu de le faire parce que je voulais vraiment lire un maximum de choses. Je voulais voir euh, comment répondaient aussi les plateformes. Je, je suis allé voir comment elles avaient l'air de fonctionner aussi sur leur site internet. Euh, J'ai parlé à des gens qui, avaient, qui utilisent ces services-là régulièrement tous les jours. Euh, donc euh, soyez curieux, soyez ouverts. Ne vous laissez pas manipuler, ne vous, vous laissez pas influencer par des gens qui sont juste frustrés de ne pas y arriver. Et qui vont juste vous décourager en disant non, mais de toute façon, ça c'est l'ennemi, c'est méchant, c'est pas beau. Euh, comme le fait de vouloir gagner de l'argent, c'est pas beau, c'est pas joli, c'est pas bien. Euh, voilà, allez un peu plus, allez au-delà de ce truc-là et faites-vous votre propre opinion, soyez libre de, de ça. Vous faites une profession, vous faites un métier, la photographie, qui est un des plus beaux métiers au monde où on est complètement libre. On est libre de ses horaires, de, son, de, de ses actions, on fait ce qu'on veut, on peut. On peut choisir nos sujets, on peut choisir notre style de photo, on peut faire du mariage, du, de la presse, on peut faire plein de trucs. C'est génial, c'est super enrichissant. Euh, ça sert à rien d'essayer de, de, de pester sur un truc sans vraiment comprendre ou sans même chercher à comprendre de quoi il s'agit. Voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris deux trois trucs, et puis en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès aux prochains épisodes qui suivront. Et euh, je vous dis à très vite dans le bientôt, dans le prochain. Ciao ciao.